Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce disque dur de Hitachi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel très simple pour réparer votre disque dur qui ne fonctionne plus. Cliquement, tête morte, tête HS. C'est un disque dur de chez Hitachi, hein, des disques durs très très solides. Hein, vous savez, les disques durs de chez Hitachi sont connus pour être très très fiable, mais malheureusement il peut arriver que des fois les disques durs tombent en panne, comme celui-là par exemple. Celui-là fait 500 gigas il me semble, je ne sais plus, enfin je ne sais pas, il n'y a pas écrit, enfin ou je ne le vois pas. Bon, si vous le voyez, dites-moi dans le coin, enfin, on s'en fout. Aujourd'hui je vais vous montrer une technique très simple pour le réparer. Donc alors déjà vous prenez ce ciseau-là et vous faites comme ça, voilà, hein, vous faites comme ça sur le logo Hitachi surtout, voilà, voilà pour déjà bien leur dire que leur disque dur pue un peu. Voilà. Donc maintenant, impossible de savoir que c'est un Hitachi. On le voit encore à l'œil nu. Donc hop. Voilà. Là, c'est impossible à savoir que c'est un Hitachi. Impossible. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on va trouver. Enfin, je vais vous dire comment le réparer. Alors voilà. Vous avez ce disque dur là. Donc, vous prenez un marteau. Voilà. Vous le jetez par terre comme ça. C'est pour le réparer, attention, hein, pour le réparer. Vous faites comme ça. Comme ça, comme ceci. Alors, excusez-moi si la caméra a bougé un petit peu. C'est que la réparation est très très périlleuse. Vous faites comme ça, regardez. Ça, hop. Voilà, bien sur le port serial ATA aussi. Regardez, hop, hop. Ça, hop. Oh, le disque dur s'enfuit du champ de la caméra. Voilà. Donc, vous faites comme ça. Comme ça. Il est un peu capricieux. La réparation reste durée comme ça. Hein. Une fois que vous l'aurez bien réparé, c'est la réparation. Hein. C'est exactement comme ça. Voilà donc. Ça. Comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et maintenant, votre disque dur serait bien réparé. Alors, on va aller voir les réparations dans la caméra. Donc, les résultats finaux du disque dur. Donc, vous voyez que le disque dur maintenant fonctionne très très bien, qu'il est en très très bon état, comme vous le voyez bien. Alors, attendez, je vais essayer de vous reculer la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Donc, alors, vous voyez que le disque dur fonctionne vraiment très bien. Il est vraiment dans le top de sa forme. Donc voilà, donc vous pouvez simplement, voilà, vous pouvez un petit peu visiter ce qu'il y a dedans, quoi, vous voyez, ouvrir le disque dur, voilà, comme ça. Et vous faites comme ça, vous voyez. Voilà, comment réparer un disque dur.